Nous allons reprendre une patrouille de Silent Hunter 5. Je sors de chez moi. Nous sommes retournés à Bergen. Mais qu'est-ce qu'il s'est donc passé entre le moment où j'étais à côté de l'Angleterre et le moment où est-ce que je suis revenu? J'ai terminé la mission qui consistait à couler non pas 100 000 tonnes, mais 50 000 tonnes de cargo, puisque en effet, le mode qui faisait que ça divisait tout par deux n'était pas en place. Donc je l'ai mis en place correctement et là, ça fonctionne bien. C'est donc 50 000 tonnes ici et 25 000 tonnes là, ce qui le rend déjà. Attention, il y a Gédéon qui est en train de couler. Vous voyez? Gédéon. Sur mes genoux. Donc ça, c'est bien. Déjà, voilà. 50 000 tonnes ici, ça, c'est fait. Ça n'a pas été évident. Puisque, si vous vous rappelez bien, la barre de tonnage qui est censée être en blanc ici et qui monte et qui compte le nombre de bateaux en tonnage que je suis en train de couler, ne montait pas. C'est un bug. C'est un bug connu et bien connu. Et donc, du coup, la méthode que j'ai trouvée pour pouvoir me sortir de ça, c'est de la monter manuellement. On peut bidouiller son fichier de campagne et son fichier de sauvegarde pour pouvoir augmenter le tonnage au fur et à mesure que ça monte. Il vous suffit simplement d'avoir un cahier, comme genre un cahier comme ça, là. Salut 0212. Et puis de marquer, hein, on marque le tonnage des bateaux qu'on coule. Et puis, on alimente le fichier texte, quoi, hein, aussi simplement que ça. Et ta barre de tonnage, elle monte au final. Donc, c'est comme un peu un journal de bord, quoi. Hein. Il suffit simplement de bien prendre en compte les bateaux que tu coules dans la zone et pas de tricher. Je peux faire que ma mission, elle est finie. Ça y est, elle est finie. Bah non, c'est pas le but. On joue le jeu quand même. Hein. On essaye clairement de faire ça bien dans le bon et du forme. Et voilà. Quand je suis rentré donc à bon port à Bergen. Je vais mettre un autre point, je vais bien vérifier Schiff in que Sicht, Kurs 2, 8, ça 0. tourne bien. Ouais, ça va aller, je pense qu'on va pas taper le quai. On est à 4 nœuds. Ça devrait être bien, on devrait pouvoir Neuer sortir Wegpunkt. Kurs 2, tranquillement. 1, 1. Nous avons donc, comme nous sommes rentrés à Bergen, je suis rentré en mode Fast and Furious. À savoir, j'ai pas fait le tour. Je voulais pas faire le tour, ça me disait rien du tout, ça allait prendre beaucoup trop de temps. Sachant que je rappelle que cette mission-là, elle doit être terminée avant mars. Alors je suis rentré à nouveau par la Manche. Bizarrement, je l'ai fait de nuit, ça a été plus facile qu'aller. J'ai pu éviter des destroyers de surface. Grâce sans doute aux points d'expérience que j'ai mis à mon mécanicien qui font que je suis plus rapide en surface. Je vais à 20 nœuds. Et quand j'en vais à 20 nœuds en surface, eh ben, c'est déjà un peu plus facile pour éviter les destroyers qui, eux, vont à une dizaine, quinzaine de nœuds en surface pour éviter de l'essence, quoi. Enfin, éviter d'économiser. Enfin, voilà. Ça tourne? Ouais, ça tourne. Faudra tourner un peu plus la barre peut-être parce que j'aimerais bien éviter de taper dans le quai, ça me plairait bien. Tu vas pas taper dans le quai, dis. On va éviter les dommages. Donc quand je suis rentré, on m'a proposé de me mettre à la tête d'un nouveau bâtiment, à savoir un type 7B. Ce qui veut dire que j'étais à l'heure actuelle sur un type 7. D'où les 11 torpilles uniquement. Si vous regardez historiquement sur Wikipédia, le type 7A n'a que 11 torpilles. Maintenant, le type 7B en a 14. Ouh. 14 torpilles, pourquoi? Parce que j'ai des réserves externes. J'ai une torpille en réserve externe sur le devant, une torpille
deux torpilles en réserve externe sur l'arrière. Ce qui veut dire que maintenant, je peux tirer trois torpilles sur mon tube 5 à l'arrière. Et une torpille de plus sur l'avant. Non, Gédéon, tu ne peux pas aller sur mon bureau. Ça, c'est pas possible. C'est ou mes genoux, ou par terre, rien du tout. Déjà, je suis bien sympa, je veux bien que tu restes là, alors. Le chat du commandant. Ah voilà, ça marche bien, on tape pas le quai. C'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir commencer à... Non, on a des choses à faire, c'est bien d'aller lentement. C'est pas grave. Il y a des mouettes, il fait beau, et le chat se nettoie. Donc, il y a plus de place sur, sur le pont, là, ici. On voit bien qu'au niveau de la baignoire, j'ai plus de place. Je crois que j'ai un peu d'anti-air. J'ai une anti-air ici et une anti-air là. Maintenant, j'ai deux canons anti-air au lieu d'un seul. Ça doit être pas évident de... Et comment je fais pour... J'ai trois types de munitions. Je sais vraiment tirer à vue comme ça. 1500 balles. J'ai munitions explosives, munitions perforantes, munitions de flak. Ouais, donc on va pas aller loin avec ça. Hein. Ok, très bien. Ça fera l'affaire. Je pense pas qu'on les utilisera. Parce que de toute façon, voilà quoi. Hein, c'est les avions, je préfère les éviter que leur tirer dessus. On est bien d'accord. À part ça, donc plus de place pour les torpilles, deux canons de flak à la place d'un seul. Le bateau est peut-être un petit peu plus lourd. Un petit peu plus lourd que le type 7A, mais on va pas changer grand chose au final. Ouais, ça c'est bien au niveau de la barre, on est bon. C'est chouette. Ok. J'ai dû avoir des points de compétences à mettre dans mes gars, j'ai pas fait. Alors, attaquer un groupe de combat ennemi rencontré dans ma zone de patrouille. Ok. Équipage. Ça, c'est le journal de bord. Là, c'est les cartes. Équipage. J'ai 9 points. C'est bien, 9 points. Ça me plaît. J'aurais tendance à mettre au niveau de mon officier ingénieur en chef. Non, mais il a déjà lui. Ça, c'est pas besoin. Navigateur. Plongée rapide. Ouais. Le cuisinier, l'officier torpilleur. Opérateur sonar, radio, l'artilleur. C'est logistique. La capacité de réglage des moteurs niveau 4. Alors autrement, c'est quoi les capacités actives? Surcharge des diesels. On peut forcer les moteurs au-delà du raisonnable. Au-delà des limites d'usine afin d'effectuer une pointe de vitesse en surface. Mode hors-bord activé. Ça coûte cher. Surcharge des électriques. Ouais, je suis pas sûr. Recharge des accus accélérés, ça peut être fun. Sourdine moteur, moins de bruit au niveau des moteurs. Ça, j'aime bien. On va passer 2 points au réglage moteur pour être en niveau 5. Il me reste 7 points. Recharge d'accus diesel en plus, 2 points. Ok. C'est torpilleur. Vitesse de recharge des torpilles. Schiff in sicht, Kurs A. Préchauffage des torpilles. Surcharge torpilles. Les moteurs des torpilles peuvent être surchargés de façon à augmenter la portée, au dépend de la précision. Bah non. Les ogives. Un torpilleur chevronné peut régler le système de torpilles de façon à augmenter la portée et les dommages. 5 points. Ouais, je mets les 5 points dans la torpille. Mmh.
Attends, je l'ai fait ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Appliquer. Ah voilà, merci, ça va augmenter ma vitesse. Et donc mon artilleur, mon officier torpilleur, pardon. 3, 4, 5, j'applique. Il me reste 2 points de promotion. Non. J'avais pas mis pour l'officier de logistique. La recharge des accus. On est vraiment bien. On est parfait. On est très bien. On va pouvoir passer en avant 3, s'il vous plaît. Halbe Fahrt voraus. Maschinen stopp. Non, non, non. Volle Fahrt voraus. Avant toute, et on va faire une nouvelle course pour sortir du port correctement, s'il vous plaît. Comme ça, dans un premier temps, et il va falloir. Comme ça. Il faut qu'on passe par le nord. On va faire comme ça. Et une fois que nous sommes là, il va falloir qu'on arrive dans un premier temps ici là, sur cette ligne là, pour pouvoir couler 5 navires. 5 navires. Uniquement 5 navires. On s'en fiche du tonnage. 5 navires. C'est très bien. Parfait. Ça me plaît. Alors par où je monte? Est-ce que je passe en là ou est-ce que je fais bien le tour? Moi, j'aurais tendance à faire bien le tour. On va faire bien le tour. Je reprends le point comme ça. On va passer bien au large. Voilà, voilà la route que je préconise. On va passer par le nord. On va éviter Scapa Flow. Scapa Flow est où? Je crois que Scapa Flow est là. Et là, la l'Airwick, qu'est-ce qu'on a là? Un Malaya, un Rudney et un Ed, le Oud est à Scapa Flow. Oh, ce serait bien si on pouvait aller attaquer Scapa Flow de nuit. Ça s'est fait, hein. Ça s'est fait. Historiquement, ça s'est fait, mais. J'arrive à 20 nœuds, à 4. Je tombe à 18 nœuds. 18 nœuds à 3. C'est très bien, très bien, très bien. La mer est belle aujourd'hui. Temps idéal. On n'a pas eu la fanfare pour partir, je trouve ça intolérable. On devrait avoir la fanfare pour partir en patrouille. Mais qu'est-ce qu'ils font au BDU, quoi? Sincèrement, c'est n'importe quoi. Depuis quand on n'a plus la fanfare pour partir en patrouille, quoi? Bon, on va dégager les eaux. Dès qu'on aura dégagé les eaux basses, on va pouvoir se faire un test d'immersion. Histoire de voir si tout le monde est au point. En attendant, pour l'instant, c'est calme. Je
J'aimerais bien tomber sur un bouquin d'identification, en fait. Je suis sûr qu'il y en a un, mais je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Quelque part, perdu à bord, sans doute. Parce que du coup, ben, j'arrive pas à identifier les navires, quoi. Hein. Je sais pas ce que, je sais pas ce que j'attaque. La fanfare, c'est pour les majorettes, non? C'est qu'historiquement, il y avait une fanfare qui, il y avait du monde pour les départs et arrivées de sous-marins en patrouille. Et logiquement, j'aurais pas dû repartir en patrouille tout de suite. Hein. J'aurais dû faire une petite pause, mais bon, histoire de passer au bar quand même un peu. Mais... Bon, et ben voilà, j'ai lancé de bâton. On va aller faire un tour à l'intérieur. S'il te plaît, vas-y. Ouais. Tu veux pas m'y emmener? Tu veux que j'y aille moi-même? Pas de problème, je descends. Non, allez, descends. Tu veux pas me téléporter au bon endroit? Ah, merci. C'est super. Ok, t'as pas de nouvelles du machin? Du capitaine Rann. Je sais même pas qui c'est. Qu'est-ce qu'on a au gramophone? Allume voir le gramophone. Oui, ça va. Je préfère encore la mer de U-Boat. Ah, mais non, c'est toujours le même titre. T'as pas quelque chose? Quelque chose, peut-être d'autre, parce que c'est un peu toujours pareil. Non, il n'y a rien d'autre à l'autre gramophone, quoi, là. Ouais, non, on va... Tu peux l'éteindre. Ouais, merci. Ah, pas, hein, pas faire quoi. Oui, ça va. Et ce qui est assez amusant, c'est que... Eh bien, qu'on passe d'un jeu à l'autre, hein, qu'on passe de U-Boat à comment ça s'appelle, à Silent Hunter, on a bel et bien la typographie exacte et on ne peut plus exacte d'un type 7. On sait exactement à quoi ressemble un type 7, hein, on n'est pas d'accord. Hein, donc on a l'avant avec les torpilles. Ici, il nous manque des choses puisque là, ce sont les couchettes pour l'équipage. Il y avait des hamacs aussi qui étaient installés là-haut. Et il nous manque des vivres. On est censé avoir des vivres. Il est censé avoir des vivres absolument partout. En départ de patrouille, il n'y a pas un pas que tu peux passer, quoi. Hein. Il y a des pains qui sont dans les couchettes, dans les hamacs. On met des pains qui traînent là-haut. Là, on est censé escalader les vivres, littéralement. Hein. Ça, c'est le poste des maîtres. Ils sont pliés, les couchettes. Les couchettes sont pliées, ouais. Le poste des maîtres, on a ici le carré commandant. Avec là hydrophone et radio, une des deux cloisons complètement étanches du navire. Le navire est séparé en trois parties étanches qui ne sert à rien, on est bien d'accord, quand on est au fond de la flotte et que une de ces parties est inondée, le bateau coule quand même, mais c'est pas grave, c'est à la construction, c'est fait comme ça. Le CO est ici avec le poste à carte là. Les barres de plongée sont ici. Barre de plongée ou peut-être là. Non, je crois que les barres de plongée sont là. On a le périscope d'observation qui se trouve ici. La montée vers le périscope d'attaque et la baignoire là-haut. Là-dedans qu'on retrouve normalement le sextant, le truc, le bidule du navigateur. C'est le poste du navigateur là. Il a tout son petit bazar ici. On a une pompe principale qui se trouve là pour pomper toute la flotte qui se trouve dans la cale un peu en dessous. Mais la capacité
pomper la flotte qui traîne là-haut. Ce qu'on ne voit pas, c'est que l'eau, systématiquement, l'eau rentre dans le navire. C'est forcé. Il y a tellement de vagues, et une tellement grosse pression des vagues sur la baignoire, qu'il suffit qu'on ouvre là-haut pour que l'eau rentre. C'est forcé qu'il y a de la flotte qui rentre. Or là, il n'y a pas d'eau. Dans U-Boat, il y a de la flotte qui rentre systématiquement. On la pompe pour pouvoir la sortir. En passant par là, on a aussi le carré des maîtres. Ouais, il y a un peu de bouffe, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Beaucoup de monde qui passe ici, puisqu'il y a les gens qui vont au CO et les gens qui vont au moteur. Donc au passage des cars, c'est un peu le bordel. Là. La cuisine, c'est exigu, mais bon, le placard pour pouvoir... Il y a deux toilettes. Deux toilettes pour 50 personnes. Sachant qu'en général, au départ de patrouille, il n'était pas rare qu'une des toilettes soit condamnée pour y mettre de la bouffe. Il n'y a aucune soute, aucun stock dans ce genre de navire. Les constructeurs n'ont pas... c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, il restait donc plus qu'une seule toilette pour avoir 50 personnes. Les diesels sont ici. Hein, deux moteurs diesel, un bâbord, un sur l'arbre bâbord et sur l'arbre tribord. Ah, oui. Les batteries, si vous vous demandez où est-ce qu'elles sont, elles sont en dessous, là, sous le plancher. Toutes les batteries sont positionnées en dessous. Tout ce qu'on voit là, donc ça, c'est pour l'arbre. Excuse-moi, je passe. Ici, c'est pas les accus, ce sont les moteurs. Les moteurs électriques. Bah, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure de la patrouille, la bouffe dans les toilettes, elle descend, quoi, hein, on est bien d'accord. Hein. La puissance des moteurs là est de 2300 chevaux, à peu près. Hein. Quant à la puissance des électriques, elle est de 750 chevaux. Donc on voit bien et on comprend pourquoi les moteurs électriques sous l'eau, on va moins vite forcément, on a moins de puissance. De plus, l'eau déplacée est plus importante, la masse d'eau à déplacer est plus importante quand on est sous l'eau que quand on est sur l'eau en tant que bâtiment de surface. Où est-ce qu'on glisse, entre guillemets, sur la surface de la flotte, alors qu'on a toute la masse d'eau à déplacer quand on est sous l'eau. Ce qui est un peu plus... voilà. Et enfin, ici se trouve le compresseur diesel et le compresseur électrique, ainsi que le tube arrière. Les compresseurs servent à envoyer de l'air comprimé qui provient de l'intérieur de l'habitacle du sous-marin. On n'a pas de réserve. Salut Attila. Ah, il est hybride. Il est hybride. C'est clair. À l'envoyer dans les ballasts pour pouvoir mettre de l'air dans les ballasts pour pouvoir remonter. Bon, ça c'était la visite. Moi je vais me mettre sur ma couchette. Hop là, voilà. Et je vais retourner à la carte et nous allons aller à la manœuvre. Est-ce qu'on peut me donner combien il y a d'eau en dessous de nous, s'il vous plaît? Ça m'intéresse. Les types 7 sont construits pour aller jusqu'à... ouais, on est vraiment en eau basse, il n'y a pas la peine, pas pour l'instant, on se fera une alerte plus tard. Sont censés aller jusqu'à 80 mètres. Ils sont construits pour aller jusqu'à 80 mètres. Mais, au final, ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Si on regarde bien la conception du sous-marin, donc là il n'est pas en cale sèche, mais bon, là. On a donc une coque extérieure, une enveloppe extérieure qui, elle, n'est pas blindée, hein, au final. Qui, elle, d'ailleurs, est percée de trous pour que l'eau puisse y rentrer. Et donc elle sert de passoire. C'est vraiment une enveloppe extérieure. Et à l'intérieur de cette
enveloppe extérieure, on a ce qu'on appelle une coque épaisse, qui, elle, est la véritable coque du sous-marin. Quand le sous-marin plonge, le fait qu'il y ait des trous dans la coque, dans l'enveloppe extérieure, fait que elle n'est pas écrasée par la pression. Et c'est la coque épaisse qui prend, elle, toute la pression, qui est assez épaisse pour pouvoir justement résister, résister au, à la pression de la, de la, de la flotte. La pression, la profondeur maximum à laquelle pouvait descendre un sous-marin de type 7 est 220 mètres. Écrasement à 230 mètres. Mais il pouvait y avoir des problèmes avant. Genre tu descends, il est pas rare que si tu commences à descendre à partir de 180 mètres, tu peux commencer à avoir des rivets qui sautent, des tuyaux qui sautent et des dommages. Voilà. Au-delà de 150 mètres, ça devient déraisonnable. Faut le dire. Clairement. Hein. Mais c'était des bonnes bestioles quand même. Vraiment de très très bonnes bestioles. Je retourne sur ma carte. Nous allons accélérer le temps pour être arrêté d'être en eau. Voilà, je suis pas en eau profonde, mais je vais attendre d'être sorti du bord de terre pour pouvoir faire ça. On va accélérer tout ça. Un petit peu plus vite. Tic tac, tic tac. On passe par là. Il est 17h. On va sortir et ici on pourra se faire un peu d'immersion. J'ai envie de voir à quelle vitesse recharge les batteries maintenant en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse. Eh bien, sachez que j'ai l'avantage certain de lire en ce moment même le bateau. Le bouquin dont lequel a été tiré le film. Et c'est extrêmement instructif sur les types 7. Puisque c'est tiré d'une histoire vraie en fait. Le gars était reporter, était un reporter de guerre, ni plus ni moins, et il a embarqué avec l'équipage du sous-marin pendant deux patrouilles, je crois. Le U-96, et entre hiver 40 et début 41. Et il a appris sur la vie de l'équipage, sur comment fonctionnait le navire, et de cette histoire vraie, il en a fait un bouquin avec... moult explications. C'est assez amusant une fois que tu connais l'intérieur du sous-marin, que tu le revois toute l'explication dans le livre, de l'avant à l'arrière. Bien sûr, tu as des détails supplémentaires, mais chaque compartiment est là et c'est vraiment super agréable. Salut Sandy, je ne joue pas à U-Boot puisque j'attends qu'il y ait plusieurs mises à jour. U-Boot est bourré de bugs, mais littéralement bourré de bugs. Donc, au lieu d'avoir une sensation désagréable de testeur, moi je veux bien de temps en temps tester, je referai, j'étais là pour la B118, B117, B118, j'ai fait. Je vais attendre la B122 avant de m'y remettre, quoi. Il sera très intéressant de faire des tests de TCD, à savoir de faire du tir de torpille en manuel. C'est très difficile sur Silent Hunter 5. Je veux pas dire quasiment impossible, mais il faut sortir son bouquin de maths et c'est pas évident. Ils ont fait sur U-Boat pour que ce soit historique et accessible. J'ai vu une vidéo YouTube de comment faire un calcul TCD pour sur U-Boat, c'est très très faisable. C'est le petit Mersum. Donc, je préfère
Je préfère U-Boot sur plein de points, mais vraiment, hein, sur plein de points. Il est vraiment très prometteur, mais le système de scénario scripté n'est pas encore bon. Le système de mission non scripté n'est pas encore bon. Il y a plein de ports sur lesquels tu ne peux pas les ravitailler. Les ravitaillements sont mauvais. Il y a plein de trucs. Même s'ils font des progrès au fur et à mesure, ils font des progrès. Bon, allez, messieurs, dames, parez à plonger, s'il vous plaît, au poste de plongée, tout le monde, on se fait une périscopique. Allez, tout le monde là. Donc, à l'occasion d'une plongée, on a des ballasts. C'est une sorte de bouée, en fait, hein, ni plus ni moins, hein, qui tiennent le sous-marin hors de l'eau. Comme une bouée canard. Ces ballasts peuvent être endommagés. C'est pour ça qu'on a aussi un troisième ballast qui est interne, celui-là à l'intérieur du sous-marin, et qui, à lui seul, si les ballasts externes sont endommagés, peut assurer au sous-marin de remonter en surface à lui tout seul. Il suffit donc que je remplisse d'eau mes ballasts externes pour que le poids de mon sous-marin fasse que je tombe dans l'eau. Ni plus ni moins. Après, c'est une question de calcul. C'est un des officiers qui doit s'occuper de calculer le poids du sous-marin par rapport à. En fait, le sous-marin doit être égal au poids de l'eau qu'on déplace pour ne pas couler. Tant qu'on a des hélices qui tournent et qu'on a les barres de plongée, on peut manipuler. Mais si jamais je mets à l'arrêt complet, si je mets à l'arrêt complet, normalement, ce qui se passe, et c'est là où le jeu n'est pas réel, en fait. À partir du moment où je n'avance plus et que je suis sous l'eau, j'ai plus rien pour pouvoir naviguer mon sous-marin, d'accord? Donc, si le poids du sous-marin n'est pas particulièrement bien réglé, eh bien, il va soit remonter tout seul, soit descendre au fond. Et ce, suivant le poids qui sont dans les dans, à l'avant, à l'arrière. C'est pour ça que ils ont ce qu'on appelle des caissettes. Il y a des caissettes, des caisses d'assiettes qui permettent de pouvoir vérifier que le poids du sous-marin est parfaitement bien pesé. Si, comme disait dans le bouquin le chef ingénieur qui essayait d'expliquer aux gars comment ça se passe. Si on prend un sac de patates de 50 kg de la soute avant et qu'on l'amène au diesel à l'arrière, eh bien, il va falloir prendre de la flotte qui se trouve dans les ballasts et la propulser à l'avant pour pouvoir contrebalancer. Sinon, ton sous-marin, bah, il va prendre de l'assiette comme ça, quoi. Ouais, je l'ai tuné. Il est tuné parce qu'il a un beau camouflage déjà. Oh, il est beau le camouflage. Et de surcroît, je suis passé en type B, donc du coup maintenant j'ai deux tourelles d'AA et une autre tour. J'ai plus de torpilles aussi. Je suis passé à 14 torpilles au lieu de. J'ai 10 mètres de fond en dessous moi. Non, sincèrement, c'est tout. Remettez les moteurs, s'il vous plaît. Comment se fait est-ce que j'ai que 10 mètres? On est censé être sur un truc plus profond là. C'est pas fun. On va essayer d'avancer un petit peu sur le moteur. Je vais baisser les batteries à 90%. Et ensuite, on va
90%, je vais voir où est-ce qu'elles sont là. 93, 92, 91, 90. Ok. Surface. Donc là, ce qu'on entend, c'est les ballasts qui se remplissent d'air. Les compresseurs à l'arrière balancent de l'air dans les ballasts en vidant l'oxygène qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est un peu ennuyeux, mais bon, il y avait que ça. On prend l'air où est-ce qu'il est, hein. Une fois qu'on est en surface, on ouvre tout et il y a des ventilateurs qui font de la courant d'air. Le meilleur moyen de vider complètement les ballasts est d'utiliser l'échappement des diesels qui va aussi dans les ballasts. Mais ça, pour ça, faut être sur les diesels. La patte de lapin accrochée au rétroviseur. Voilà. Donc j'aimerais bien maintenant, Georges, que tu me réactives le rechargement des batteries. Merci. On va entendre le bruit très grave du. Voilà, on a un petit bruit très très grave là, c'est les accus qui sont en cours de rechargement. C'est pour ça qu'on va baisser au niveau de la vitesse. On va passer de 16 nœuds à de 17 nœuds à 15 nœuds, un truc comme ça. On est à 16. On avance vachement vite, je trouve, hein. Par rapport à avant, c'est drôlement bien. 16 nœuds là, c'est vraiment super. Entre 16 et 17 nœuds. Mais les batteries chargent. On est à 89 et je vois en combien de temps il est 2 heures. Réaction. Il est 2 heures. Je vois en combien de temps que je prends 10%. C'est assez long en règle générale. Alors, on va augmenter 2 heures. Je vérifie bien que c'est en cours de charge. Oui, c'est en cours de charge. Je monte. On a pris 1%. De 2 heures à 4 heures. 2 heures pour 10%, c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. On est bien. Suis toujours en eau assez faible là, du coup on voit bien sur les. C'est pas génial. J'aime pas trop. Je préfère être en eau profonde en cas de surprise. Pas d'avion déjà, je suis assez surpris aussi. J'en ai eu plein, 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 plein quand j'étais là, aux alentours de là, c'était drôlement chaud. Je vais pas faire de plongée pour essayer de voir exactement. On va 18 nœuds, c'est trop bien. Hein. 18 nœuds en 3. Super. J'avais tendance à aller à pas très vite, hein, aux alentours de 10 nœuds plutôt. Hein. Je suis à 18 là, c'est à la fête. Passe en 1024. Je vous avoue que je préférerais passer peut-être encore plus loin. Ouais, le rayon d'action des avions, on le voit bien, hein, rayon d'action des avions. Il est de 200 km, hein, 200 km autour de la base. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va rentrer dans une zone où est-ce que éventuellement on va pouvoir avoir des avions, quoi. Faut leur faire donc un peu attention. Sachant que tous les avions que j'ai rencontrés jusqu'à présent, aucun ne m'a bombardé. Par contre, ils ont pu révéler ma position. C'est toujours embêtant. On est le 22 novembre. Tout va bien.
Des parties depuis ce matin là, regardez, on a fait déjà un gros paquet de bornes. Hop 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 hop. Ouais, mais non. C'est pas que je veux pas le crouler, mais j'ai des ordres, quoi. Donc je préfère garder mes torpilles pour la zone de ce que je dois faire. Je serai en rentrant. J'essaierai. Mais là, non, même pas. Ah, quel dédain. Quel dédain. On me demande de faire des choses, je suis pas sur ma zone de patrouille, je m'en fous, hein. Salut, je me casse. T'as de la chance. T'as vraiment de la chance, toi, dis donc. Incroyable, hein. Le but est quand même vraiment d'aller sur ma zone de patrouille, quoi. À partir de là, on pourra couler 5 navires, mais ça sert à rien de dépenser les torpilles pour que ce soit pas compté au final. Moi, je préfère que ce soit compté pour ma mission de campagne, hein. Un petit vénard. On va devoir essayer de trouver un porte-avions et de couler un porte-avions aussi. Ça va être. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Pas de problème d'aviation. On a passé la nuit tranquille. On est quand même en plein dans la zone de patrouille des avions. Nuage clair, pas de précipitation, aucun brouillard, 2 mètres par seconde, vent du nord. C'est vraiment une journée calme. Il n'y a pas un pet de vague. Il va y avoir une super visibilité. Il y a quelques nuages, mais bon. Va falloir être aux aguets parce que les avions, ils vont nous voir. Une torpille dans le fondement. Mais c'est vrai que dans U-Boat par exemple, c'est excellent parce qu'il va se passer des choses au niveau de l'équipage et je vais avoir à trancher. Il y a de très bonnes idées. Il y a vraiment de très bonnes idées. Je trouve que le moral tombe un peu trop vite dans U-Boat. Les mecs sont censés être habitués quand même à avoir du. À avoir un peu de stress, quoi, être sous l'eau, être en alerte, courir après des marchands, genre des marchands sans défense, les mecs ils peuvent paniquer, quoi. C'est juste, il y a tout un tas de tri à faire dans l'équipage en fait, qui est intéressant. Hein. C'est pas inintéressant de faire le tri dans l'équipage, savoir qui est bon, qui n'est pas bon, pour avoir un équipage au top. C'est bien. Ça va me plaire, mais pas pour l'instant. On se refera des sessions de test sur U-Boat, histoire de voir comment ça avance. Mais j'attends encore une ou deux mises à jour, réellement, avant de m'y mettre. Et comme j'étais frustré, du coup, c'est pour ça que j'ai ressorti Silent Hunter 5. Je l'ai modé un peu, et puis voilà, roule. Hein. J'y avais jamais joué. C'était l'occasion ou jamais, hein. Vieillissant, oui, mais bon, toujours très bien, quoi. Toujours très bien. Je vais redescendre. On est presque arrivé. On sort de la zone d'aviation, ce qui est très bien.
Est-ce qu'on peut se balader là-dedans? Faut bien calculer. Ouais, je pense que c'est faisable. Les îles Féroé, ça? Allez, nous y voilà. Alors, patrouiller entre l'Islande et les îles Féroé et dégager la route pour nos navires qui filent vers l'Atlantique. Ok, chef. Ça marche. Donc, ce que je propose de faire une fois qu'on arrive sur place, on y est. C'est qu'on va se faire une petite plongée, sa sauvegarde auto. On descend au périscope, on va passer en mode silence et on va essayer de voir à l'hydrophone si on a quelqu'un. J'attends qu'on y soit, qu'on passe aux électriques, parce que le truc c'est qu'aux électriques on fait déjà beaucoup moins de bruit. Et le fait d'aller sous l'eau, l'hydrophone marche beaucoup mieux, hein. On n'a pas les bruits ambiants. Plongée 30 mètres, s'il vous plaît. On descend à deux nœuds en avant-lente et on passe en mode silence, s'il vous plaît. Les bruits sont multipliés par 5 sous l'eau, c'est pour ça qu'on entend tous ces bruits de métal qui se tord, mais en fait c'est trois fois rien, hein. Le navire supporte aucun problème. On peut descendre beaucoup plus bas, même aucun souci. 503 mètres sous nous, ce qui est très très bien, c'est parfait. Est-ce qu'on peut avoir un système de silence à bord, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers l'hydrophone, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir... qu'est-ce que tu vois déjà? Est-ce que tu vois quelque chose? Fais ton travail, s'il te plaît. Je t'écoute. Un convoi à 100 bornes. Y a quelque chose autour? Est-ce que tu travailles au moins déjà? Ah oui, on est tous en train de regarder ton hydrophone là. Ah, US, pas encore, on est en 39, donc pourtant j'ai vu des Liberty Ship. Nous arrivons à 30 mètres. On n'est pas tout à fait d'ailleurs. Ok, allez, laisse-moi faire. Écoute, je vais voir moi, je vais voir moi-même, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait. Catch.
J'ai 10 pas de bruit à bord, nom de nom, arrêtez de marcher, je vous entends là. Hydrophone, c'est des micros, hein, c'est tout, hein, c'est 360 degrés. À l'arrière, on n'entend pas grand-chose normalement. À cause de notre propre moteur à nous. C'est le grand vide interstellaire. Pas l'ombre d'un bateau. C'est assez moche. Oh, il fait. Ah bah non, vas-y. Trente mètres sous l'eau, oh là. On n'est pas si profond que ça, en fait. Hein. Par contre, mon périscope ne marche déjà plus à 30 mètres. Il faut que je sois vraiment à périscopique pour pouvoir fonctionner. Bon, très bien. Y a pas un chat. Alors du coup, on va continuer à se balader. Ah ouais, sauf que moi j'ai demandé 30 mètres. Non, je suis à 27 mètres, c'est bon. Je vais remonter au périscopique. On repasse en normal. On remet les moteurs. Surface. C'est 12 mètres, je crois. Je crois que c'est à peine aux alentours de 12 mètres. Je vais demander à mon. Alors c'est toujours le même officier qui va en l'air, mais en haut, mais normalement non, hein, parce que le pauvre il s'est un peu fatigué d'aller toujours. Il y a ce qu'on appelle des quarts. Allez, rechargement des batteries. C'est la mode commande qui marche le mieux. Si j'appuie directement sur le bouton, ça marche pas. Voilà, là je sais qu'elle charge. C'est bien, je suis content, j'entends le bruit de basse qui fait qu'elle recharge, donc c'est chouette. Bon, écoutez, je me mets sur ma couchette et vous me dites s'il y a quelque chose hein, qui traîne, d'accord? On va se faire une sorte de zigzag. Hein, des allers-retours pour essayer de choper quelque chose. Hein. C'est un peu comme jouer à Colin Maillard en fait. C'est ouh, où êtes-vous? Je vous entends. voir des fois non. On va accélérer le temps. Les batteries rechargent, mais elles sont à 98, autant dire qu'elles sont quasiment déjà rechargées. Et on va passer. Ça y est, AQ chargé. On va à 18 nœuds, donc ça va assez vite. Et maintenant, du coup, il va falloir trouver les 5 navires. Hein. Est-ce qu'on peut me dire combien de kilomètres je fais encore avec toute mon essence là? On a combien d'essence d'ailleurs? Voilà, 77%. Ça va.
Après deux bières. L'alcool est proscrit à bord, monsieur. Ça va pas à la tête. On boit du jus de pomme. C'est le navigateur qui peut me dire ça normalement. Hydrophone, sonore. Ça, c'est les différents postes. Ah non, en effet, on peut abuser de clafoutis. Vous avez vu le prix des cerises en ce moment? Ouais, aïe, aïe. 18 euros le kilo. J'ai vu un petit paquet de cerises, 750 grammes de cerises à 13 euros. Je fais quoi? Hein? Prix du kilo, 18 euros. Oh, ben elles sont bien où elles sont. Hein. On va attendre un peu, peut-être. Ça a l'air cher cette année. Hein. Bon. Il est 1 h du matin. Et rien en vue. Tu peux me dire le... Oh là, oh, j'ai mal. Le kilométrage qu'il nous reste à faire avec... Voilà, merci, c'est ça que je veux. Ouais, allez, donne-moi ça. Calcule ce que tu veux. On peut encore faire 8 346 km à vitesse actuelle, à savoir 16 nœuds. Ah, pourquoi j'étais à 18 tout à l'heure et que là je suis à 16? Ah, je suis encore en rechargement de batterie, je suppose. Non, 16 nœuds 5. Ah, voilà, on est remonté à 18 nœuds, je me disais bien aussi. Non, pas encore. On n'est qu'en 39. Les schnorkels ont été installés plus tard, aux alentours de plutôt 41. Hein. Sinon, je m'amuserais pas à faire de l'électrique, quoi. Je resterais en plongée systématiquement au périscopique et je ferais tout mon trajet au schnorkel pour éviter de me faire repérer, pour éviter de me faire repérer avion. Hein. Allez, on va essayer de se refaire un petit passage sous la flotte pour voir si on peut pas trouver quelqu'un. C'est quand même fou que descend à 30 mètres, ça me semble très correct. Et comme indiqué dans le titre actuellement, nous sommes en 1939, donc c'est un peu tôt. Donc j'ai pas encore la possibilité d'en être équipé. Donc pour l'instant, je vois un avion, je plonge. Bon, mon gars, je t'ai mis plein de points de compétence. Tu vas quand même bien pouvoir finir par me trouver quelqu'un, quoi. Je veux dire. Oui? Ah, je veux bien un thé, oui. Est-ce qu'on a encore un du thé à l'orange?
Ah, citron alors. Je vais m'enlever une oreille. Comme ça, j'entends ce qui se passe sur le monde extérieur. Ça a pas l'air bien convaincant tout ça, moi je dis, monsieur. Vous êtes viré. Trouvez-moi un convoi. Où est-ce qu'ils sont tous passés? L'Ursule. Je crois que je suis U41. Je veux voir au niveau des messages radio que j'ai reçus. Rapport de contact radio. U48. Je suis dans un type B actuellement. J'étais dans un type A avant et je suis passé dans un 7B. Très récemment. Vraiment à l'occasion de là. Le fait de passer à 14 torpilles au lieu de 11, déjà, ça me... C'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Bon, il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Ah si, j'ai un chat sur mes genoux, mais... On va pas le torpiller, lui. Il dort. Gédéon est content quand je joue au sous-marin, parce qu'il a de la place sur mes genoux. Il a pas besoin... J'ai pas besoin trop du clavier pour jouer. C'est pas fun, y'a personne. Reykjavik est là. Alors, voilà les derniers points des contacts de mes amis. Moment, comme on me dit de couler entre là et là, il faut pas que j'aille là. C'est clairement là. C'est vraiment entre les îles Féroé et. Entre les îles Féroé et l'Islande, qu'on me dit d'aller. Donc je préférerais rester là. On va se refaire un... Un tout droit comme ça. Et puis on va faire surface. Puisque ça veut pas, ça veut pas. Pas de bol pour l'instant, hein, on a pas de bol. Il est 9h. Eh ben la vache, c'est gris. Hein. C'est clair que là, aujourd'hui, on sera pas visible. Et pour nous, pour voir des choses, ce sera pas génial non plus. Je plains les mecs à l'extérieur pour aujourd'hui, pour le quart là, parce que pouf, ça doit picoter un petit peu quand même. Hein. Il doit faire un petit peu frisqué. Niveau de batterie, 98, c'est même pas la peine de recharger pour l'instant, tout va bien. J'ai pas besoin de monter là-haut. Oh oh, je vais chercher à monter. Nous arrivons. Je dis nous parce que... Oh mon chouchou. Bien, on va chercher du thé. Allez, viens, on va chercher. Hop, du thé. Allez. Oh. Oh, oh, oh. Nous venons. Okay.
Très très bien. Avec Silent Hunter, c'est qu'on peut être en 1 et il se passe rien puisque c'est le temps réel qui défile. Non, pas tout à fait. C'est un temps accéléré. Non, pas tant que ça. C'est un temps réel. Ah, fait pas beau dehors, hein? Il fait pas beau. Non, il fait pas beau. Voilà, quel temps de chiot. Il est 9h et il fait nuit. Il y a les étoiles. Plouf. Et pas les murs. Alors, désolé, je vais manger. Un cookie géant. Oh, il est beau. Et du thé. C'est un peu chaud. Je cherche un truc pour touiller mon thé, mais c'est pas très. Je vais pas prendre mon petit doigt quand même. Non, ça c'est sale. Je suis en moitié nouille, j'ai mis un sucre, ça va servir à rien. Oh, oh, oh. Mmh, bon. Il faut du chocolat partout. Bon, j'en ai marre de me faire mouiller, moi j'entre. Hein. Bon courage les gars, voilà. Parce que vous devez rester dehors, vous. Accélérez-moi le temps. On va bien finir par trouver quelqu'un. Oui. Non. En quadrille. Au hasard la chance, mais des fois ça marche, des fois rien quoi. Tout ce temps que j'ai pas à dépenser tout mon carburant, on est à 67, une petite sauvegarde automatique. Toujours la bienvenue puisque j'ai quand même eu quelques crashs. Assez peu, mais j'en ai eu. Oh, ça me tue, y a pas un chat. Pas un chat. Il est où le blocus que vous me censez m'annoncer là? Il n'y a pas de blocus, il n'y a pas un bateau. Vous pouvez passer. Moi, c'est ce que je vais dire au commandement. Hein. Vous pouvez y aller, il n'y a personne. Hein.
trois jours que je me balade là, y a pas un chat. On va s'amuser à aller sur les côtes canadiennes pour couler des navires. C'est un peu loin, hein. %58 de fuel. Il m'en faut 25 pour rentrer à peu près. Sur le portail Epic actuellement, ils offrent Rime. R-I-M-E. Un jeu d'énigmes sympa avec un petit bonhomme et un renard. Et offert. Donc, c'est toujours bien d'avoir le lanceur Epic d'installer. Et puis tu vois, t'as les notifications des jeux gratuits qu'il t'offre. Et franchement, il m'offre des trucs relativement sympas. Je voulais me l'acheter, Rime. Donc, pas besoin. C'est ça qui est bien. Tu parles que le moral tombe dans les chaussettes, ça fait si. Ah pap 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 pap. David Tour. Ok. Un navire marchand. On va essayer de se l'intercepter et voir ce qu'on peut faire. Après tout, j'ai 14 torpilles pour 5 navires. Donc je peux faire même 3 torpilles pour chaque navire. Elles font plus de dommages, techniquement. J'aimerais bien connaître d'ailleurs le montant de dommages de mes torpilles. Est-ce que je peux le connaître? Et leur portée aussi. Si je vais dans la gestion d'armement. Et là, il me donne les torpilles normales. Il me donne pas les torpilles modifiées. Elle est censée faire plus de dommages et aller plus loin. Bon, c'est pas grave. Tant qu'elle fait plus de dommages, moi, c'est tout ce que je demande. Je vais prendre mon clavier sur moi. Je vais prendre un coup de cookie. Salut, Cocomain. Comment ça va? J'ai vu que tu participais aux batailles navales. C'est très bien. Il faut faire ça. J'invite tous les nonothéistes à participer aux batailles navales. Ça nous permettra de gagner du pétrole. Ouais, moi aussi. On a 10 batailles à faire, hein, c'est pas quoi. On va accélérer le temps pour accéder au point de rencontre, normalement. Quelle heure il est? 8h du matin. Je l'aurais pas loupé. Je suis à 17 nœuds. Un faux contact. Je l'ai pas.
Ah, le voilà! Excellent! Cool. Ouais, mais attention, on va l'en plonger à partir de là. Donc il faut penser que on va peut-être commencer à faire un truc comme ça. Bien, merci. Parfait. Sortons de la carte. Périscope, s'il vous plaît. Ah, on va voir ça. Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah mon dieu, on le voit à l'hydrophone parce qu'il est vachement loin. Ah, il est là. 14 km. Ouais, mal quoi. Il n'avance pas. Non. Moi, je suis étonné s'il avance pas. Pourquoi est-ce qu'il n'avancerait pas? Il m'indique qu'il a zéro vitesse. Pas sûr que ça marche. Pour moi, il avance. Il avance. On est bien d'accord. Bien. Faisons voir un point actuel sur la carte. Alors, monsieur, avance comme cela. Je prends une règle. Je tire plus ou moins un trait. Plus ou moins comme ça. D'accord. Moi, pour l'instant, je suis là à peu près. Ce qui me met actuellement à 4 km de lui. Mon but est quand même d'essayer de m'approcher à 2 km, ce qui sera vraiment très bien. Pour ce faire, nous allons devoir plonger. Je pense qu'on va le faire maintenant, gentiment. Il est tout seul, c'est ça qui est super fun, c'est très bien. Parfait, périscopique, messieurs, on plonge. Ouais, pas besoin de dépenser les torpilles pour ça, mais bon, c'est pas grave. Salut Jason Razor, un vieux t-shirt Albator. C'est vrai, mais il est vieux. Il commence à être tout fatigué, le pauvre. Il a vécu ce t-shirt Captain Harlock, j'avoue. C'est Graal Cookie. Il est vintage.
Ça, c'est le périscope d'attaque. Alors, je baisse le périscope d'attaque. Ça. Je monte le périscope d'observation, parce que c'est lui qui m'intéresse pour l'instant. Ouais. Je rêve ou on le voit pas, là. La mer est assez grosse, et donc, du coup, je suis emmerdé. Je vais le descendre. Je vais aller au niveau du périscope d'attaque. Ah bah déjà, voilà, merci. C'est déjà un petit peu mieux. Le périscope d'attaque monte beaucoup plus haut que le périscope d'observation. Et donc du coup, ça nous permet d'être peut-être un peu plus visible, mais au moins... Bien, maintenant que je le tiens un petit peu mieux, le garçon, on va pouvoir essayer d'avoir sa vitesse. Il avance quand même à 13 nœuds. 10, 10, 11, 12 nœuds. Et il est à 6 km 9. Mais il est sur une trajectoire très très droite, à la nage droite devant toi, et je vais pouvoir mettre des torpilles très très rapides, puisque je... Voilà, on va pas lui laisser le temps d'esquiver. Torpille à 40 nœuds, 44 nœuds. Ça paraît lent, hein, mais 44 nœuds quand t'as un navire qui a 10 nœuds, ben, pour un navire marchand, c'est inesquivable, quoi. Hein, je veux dire, si on tape bien dans le centre du navire, pas trop de problème. Nous nous rapprochons, d'accord? On est là. Sur les plans prévus, vous voyez, moi je suis censé m'approcher par là. Peut-être que je baisserai un peu le périscope d'attaque. Pour être un peu moins visible et me mettre un peu en rade flotte. Comme ça. Le rond noir que vous voyez sur la carte, c'est la visibilité du navire. C'est ce qu'il voit, lui. C'est donc ses chances de me détecter avec les guetteurs. On va accélérer un peu le temps. Une fois qu'on va arriver, on va couper les moteurs. Ça n'a plus la peine d'avancer. Machine, stop. Voilà, nous sommes arrivés au point que j'ai indiqué. Lui va même être plus haut, ouais. Je suis là. Techniquement, il va même être arrivé là. Hein, donc, admettons, comme on disait, là. Ouais. On fera du 1 km 5. C'est easy peasy. Hein. Il n'y a qu'à attendre qu'il se pointe maintenant, techniquement. On va accélérer le temps. Encore un peu. Ok, on va pouvoir tirer. Le blala. Ah! Ah, donc on va un peu plus clair là, hein, dites-moi. Parfait, c'est impeccable, c'est très bien. Torpille rapide, il est donc à 1700 mètres, à peu près comme prévu. Toujours la même vitesse, droit devant. Tube 1, pareil à tirer. Inonder le tube 1, effet de feu dès que possible. La calcul de ciblage est fait depuis déjà belle lurette. Je veux que la torpille tape au milieu. Merci quand même, c'est... Voilà. Et j'en tape une deuxième immédiatement, tout de suite, plutôt derrière le navire, en partant du fait qu'il va freiner. Il va mettre les freins, et donc je tape plutôt sur l'arrière du navire.
Tant pis tiré, on va maintenant se mettre une course comme ça. Merci. En 3. Normalement, je ne dois pas avoir besoin de mettre une troisième torpille, je ne pense pas. On voit bien les torpilles qui arrivent, attention, 3, 2, 1. Maintenant, kaboum. Voilà, la moitié des dommages. Excellent. Comment on va taper la deuxième? Il a réduit ses dommages. Il a réduit sa vitesse de... Ah merde. Il a trop réduit sa vitesse. La torpille va passer devant. Elle passe devant. C'est fou, hein, la capacité de navire d'esquiver une deuxième torpille. Hein, il a freiné tellement sévère que... il est passé de 12 nœuds à 5 nœuds et donc du coup il l'esquive quoi. Je dépenserai pas une torpille de plus pour ce navire, surface. On se dirige sur lui, vitesse lente. Et je suis allé sur l'extérieur. À quelle distance est-il, s'il vous plaît? Ah ouais, mais ça alors, tu me vois, ouais, c'est normal. Ta distance actuelle est de 1100 mètres. Très bien. Au canon de pont, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai des gens pour tirer avec moi? Ouais, alors là par contre, non. Quand il y a des gens, si, quand il y a trop de machins comme ça, ça marche pas. Il y a trop de monde. Je peux tirer vraiment que tout droit parce que, voilà. La mer est trop grosse. Je vais m'approcher un peu. Je vais me mettre en face. Les mecs me suivent pas. Si la mer est trop grosse, ils me suivent pas. Kleine Fahrt voraus. Oui, mettre ça c'est la vitesse, ça c'est le machin. Je vais pas me mettre une course. Attendez. Ce qu'on va faire c'est... mettez une course. Ah, je peux pas faire ça. Oui, merci. Allez-y, tournez où je regarde s'il vous plaît. Oh, le commandant regarde par là. Vite, tournons où est-ce que le commandant regarde. Oui. Boum. Je profite des vagues. Hein. Neuer Kurs 166 Grad. On s'est tombé derrière. C'est un peu chiant, j'avoue, de temps en temps. Quasiment coulé. Oh,
tombe en haut. Boum! Très belle explosion. Marche arrière. Très bon travail. Je reviens. Ah, même en sous-marin, je fais des overpen. Ah, j'étais en haut là. Mais le problème, c'est que mes hommes de pont, dès qu'il y a trop de mer, ils veulent pas suivre. Ils ont pas envie de tourner le canon. Donc je dois faire tourner le bateau en direction du bateau, quoi. En direction de la cible, tout droit. C'est chiant. Merci, salut Malar, merci d'être passé. J'espère te voir ce soir. Ah, mais non, mais il y a les. Il y a les batailles de clans là. Du coup. Super. Ça fera des super snipes. Oh, ça va être trop bien. Et au pire, tu viens en div avec moi, ce sera plus simple, on va gagner. On va roxer le win rate. J'en ai besoin des fois. Ce serait moche que je tombe trop bas. Parce que ça va finir par me faire tomber bas cette affaire. Alors. Pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, le journal de ce qu'on a coulé pour que je note. On a coulé un navire. Il faisait 4200 tonnes, mais on s'en fout du tonnage. On en a coulé un. Alors moi, je vais faire un petit carré. Hop. Un carré, un trait. Mon but est de faire un carré barré. C'est bien un navire pas protégé, c'est toujours très fun. Je suis très preneur. On va aller à la radio et on va demander de faire un rapport de patrouille. Ah, je suis tout mouillé. J'enlève l'eau des lunettes. Parce que... tu peux pas m'essuyer mes lunettes parce que... j'ai envie que tu envoies un message de rapport de... rapport de patrouille, s'il te plaît. On en a fait un. C'est embêtant cette affaire là. Alors, on s'en va faire. Ce qu'on va faire, c'est faire un truc comme ça. Plouf. Et puis, plouf, je ressors de l'eau. Ah. Funkspruch gesendet. Non, j'ai toujours des gouttes d'eau. Moment, ich empfange einen Funkspruch. Non, on reçoit un message. Ok. Non, mais non, mais enlevez-moi les gouttes d'eau de mes lunettes, là. Pff, c'est chiant. Ah, sous l'eau, j'ai plus de lunettes. Neuen Funkspruch empfang. Poursuivre votre objectif annuel, actuel. Maintenez le silence du radio pendant 2 heures. Merci. Ah. Ah, ça y est, ça a disparu. Ah, donc j'ai eu du mal à nettoyer. Normalement, à partir de 20h, entre 20h et 20h30, suivant la fin du repas. Souvent c'est 20h15, mais ça pourrait être 20h. Ben, ça va dépendre, je sais pas, on va voir. Si tout marche bien, vous aurez la notif normalement. À tout à l'heure. Ah ben. Non, mais pourquoi j'ai été. Je vais finir par avoir mal aux yeux, moi, à force d'avoir des sortes de gouttes sur les yeux, là. Ça avait disparu, et puis maintenant j'ai des boules. Mes lunettes sont toutes mouillées. Personne n'est là pour le nettoyer. C'est super chiant. On va effacer. On va effacer tout ce qu'on avait fait écrit là. Ça marche pas. Hop. Hop, 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 hop. On efface tout sur la carte. Et on va se reprendre une course. Ah, un autre marchand. Bereit machen zum Kurswechsel.
Fahrt voraus. Neuer Wegpunkt. Kurs, nimm Kurs wieder auf. Un deuxième, on va aller par là. Je vais enregistrer, sauvegarder, sauvegarder. Et je reprends, je vais, on va monter. Je fais pour faire de l'interception, hein, c'est très bien. Deux torpilles par cible, ça me fera 5 torpilles. Il me resterait 5 torpilles pour faire la deuxième partie de la mission. Ah, couler un porte-avions par là. 5 torpilles. Ou alors... Comme c'est jusqu'à mars, je rentre, je fais le plein et j'ai 14 torpilles pour un éventuel porte-avions. Ce qui serait quand même vraiment plutôt pas mal. Voilà, je pense qu'on va plutôt faire ça. On va se la jouer safe. J'ai le temps. Ou, si c'est du marchand seul, j'arrête de tirer des torpilles, je tire au canon. On peut faire ça aussi. Allez, on essaie de se précipiter sur le contact que des avions nous auraient communiqué. Parce que c'est ça en fait, hein. C'est les avions qui communiquent des contacts avec leur direction, leur vitesse plus ou moins. Et à partir de là, j'essaie de récupérer moi leur course et puis là. Et de les intercepter en fait. Après si c'est un marchand seul, c'est une aubaine. On va aller un peu par là. Normalement il devrait pas être loin. Si je ne trouve pas une fois que je fais là, je ferai un coup de profondeur d'immersion. Quelle heure elle est? Il est 16h. Ouais. Il faut dire que la visibilité, elle n'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Là-haut, là. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus génial. On est censé avoir un truc par là. La mer est pas mal, mais... Mais on voit rien. Tournons sur la carte. Accélérons un peu le temps. Si on arrive à le choper... On va voir si on peut pas l'attraper sous l'eau. Ah, j'ai plus que 52% de fuel, par contre j'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je vais devoir rentrer. C'est parce que je vais devoir réapprovisionner. Ou demander un réapprovisionnement en mer, pourquoi pas, si j'arrive à trouver un endroit pour pouvoir y aller. Tiefe beträgt 1, 0.
Halbefahrt voraus. Schleichfahrt. Ruhe im Boot. Psst. Il a dû changer de cap, c'est pas possible. Ça doit être dans les 20 km. Pourtant, il n'a pas l'air d'être là. Alors, il est pas là. C'est dommage. Je me voyais bien le jouer avec un deuxième navire sur les bras. Un sur cinq, c'est bien, mais deux sur cinq, ça aurait été mieux. Soit on a loupé son passage, soit je sais pas. C'est moche. C'est moche. Il apparaît dans le coin toujours. Ok, bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va peut-être se réordonner. On va se. J'ai de plus en plus de traces d'eau différentes sur ma. Excellent, les batteries sont à recharger. %52. Je descends à 30 et puis ben je rentre. Comment on enlève le blocus avec des navires marchands, j'en sais rien. Mais... Ils disent pas couler 5 navires de guerre, hein, ils disent bien couler 5 ships. 5 ships, c'est 5 bateaux, peu importe lesquels. Après, je sais pas où est-ce que je peux avoir un ravitaillement en mer. J'en sais rien. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, je peux avoir des demandes de ravitaillement.
attaquer tout groupe de combat ennemi dans la zone. J'attends de voir d'éventuels rapports. Elle est un peu triste comme patrouille, il n'y a pas grand monde. On a connu plus animé que ça. Hein. J'avoue que... On est à 100% au niveau de l'électrique. Je me balade un peu comme ça et puis après je vais rentrer, je pense. Ah, c'est un peu ça. Ouais. Je savais que j'étais là. Quelle tristesse. Allez, on rentre. On va surtout refiouler. Sorti pour un navire, c'est un peu juste, hein, j'avoue. C'est du Rakam. Cessez les patrouilles et agissez selon votre initiative. Je suis sorti de la zone, sans doute. Je vais me mettre près de Bergen ici là, au point de navigation 3. Je suis à combien de pourcents? 30.
Et on va peut-être essayer de faire une demande de ravitaillement. Voir si on est loin, comment ça marche. Ah. Moi, je m'en fous, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est les navires marchands dans la zone. Pas les navires marchands à l'extérieur de la zone. Voilà, on arrive là. Alors, ce qui m'intéresserait de reconnaître, c'est de savoir s'il y a possibilité de demander aux radios. Notre ravitaillement a été refusé. Tu n'as même pas envoyé le message. Juste du fuel. Réserve de diesel tombée à 25%. L'avantage de perdre du diesel, c'est qu'on peut remonter plus vite. Il y a plus d'air. On utilise les réservoirs de diesel vide pour faire des ballasts supplémentaires. C'est bien, mais bon, vu qu'on plonge pas, ça m'aide pas beaucoup. Ah, j'ai bien calculé, hein? 20%. Un peu triste comme patrouille là, j'avoue, c'était un peu triste. Neuer Wegpunkt. Kurs R1. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wetter. Ja. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wow, Wetter. tu peux augmenter un peu le. Carburant à moins de 25%. Oui. 18%. Tout va bien. Il ne reste plus que 300 km à faire. Bah, ça va aller. On le fera aux électriques. On peut encore faire 80 nautiques en électrique, on les fera, hein. Rentrez là. Voilà, toujours 20 000 bateaux là. En plus, il fait nuit noire. Ça m'enlève pas mes gouttes d'eau sur mes lunettes. Bon, là, on peut oublier la fanfare, hein. Wir haben nicht genügend.
Wasser unter dem Kieler Kalein. Mon Dieu, il fait tellement mauvais qu'on voit même pas le port. Pouf. Fait bon être à l'intérieur en fait, hein. Je suis bien content de ne pas passer des heures ici, moi. Plouf, hein. Puis en plus l'eau est froide alors. Accélérer en fois 8. Ja. Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Fahrt bei dem Wetter. Contrairement à U-Boot, je peux pas faire de la propulsion électrique en surface ici. Alors, nous entrons dans le port on y voit Kutch. Mais vraiment que dalle. Il reste 17% de carburant. Je peux toujours pas ravitailler. Non, non. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, je vais être obligé de rentrer. Carrément dans le port pour ravitailler. Ça, c'est embêtant. Schiff in sicht, Kurs. Toujours pas que je ravitaille, je dois vraiment rentrer dans le chenal. Ah non, avance. Je vois absolument pas où on est. Schiff in sicht, Kurs 2, 6. Maschinen stopp. Voir rien. Personne a une. Sans machine lente. Putain, faire le demi-tour, ça va être facile. Ah, merci. Ravitaillement terminé. On a remplacé le plein. Stop. Machine arrière. Vérification que toutes les torpilles soient bien mises. Toutes les torpilles ont été ravitaillées. Impeccable. Le plein d'essence est fait. Très bien. Machine arrière. Wir haben nicht genügend Wasser unter dem Kieler Kalein. Je suis vraiment obligé de rentrer en machine arrière.
Oh, on voit rien, on voit rien. U-Boot in Sicht. Das ist einer von uns. Kurs, lei, lei, lei. Ouais, c'est un des nôtres, c'est pas grave. Alors, comment se passe la marche arrière? Plutôt pas mal. On va pas taper un mur, c'est déjà bien. Ça serait vraiment bête de... Il faudrait que je tourne. Non, j'ai l'impression qu'il le fait déjà en fait. Parce que je vais taper un mur. Il faudrait que je tourne très légèrement à droite. Allez, manœuvre à la main. Schiff in Sicht, Kurs 1, 4, 9. Mauvais sens. Ruder 5, Grad Steuerbord. J'étais draclé n'importe quoi. Super, super, marche arrière, bravo, neuneu. Très bien. Schiff in Sicht, Kurs 205. J'aimerais bien que tu me fasses maintenant. On y est déjà. Ruder 5, Grad Backbord. Devra aller droit maintenant, j'espère, parce que sinon voilà. Non, on tourne. Il ne met pas la barre à zéro. Bon, fais-moi un beau demi-tour, dans les règles de l'art. Quelle sortie! Conventionnel comme affaire, ça fera très bien le job. Marche avant par là. Ah, je sais pas faire déjà. Et nous repartons. Ah non. Pour l'aventure, par là, et de là, on va se tirer un beau trait pour aller jusque là. Voilà, si je peux passer au-dessus, c'est encore mieux. Non, je préfère passer par en haut. Merveilleux, et c'est reparti. Nous sommes en décembre. Voilà. Et j'espère qu'il va pas me falloir 3 mois pour pouvoir faire tout ça, parce que... sinon on va se foutre dans la merde et on pourra pas terminer la mission à temps. Mars, 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 ça va vite être là. Hein. Décembre, janvier, février. Il nous reste 3 mois. Hein. Ça peut aller vite. Hein. Just, il me faut une semaine.
une semaine pour aller jusque là-bas. Heureusement que je vais à 18 nœuds. Je pourrais y aller plus vite. Mais en passant dans des endroits un peu plus risqués, je préfère prendre un peu plus de temps. Il faut quand même quelques jours pour arriver sur place. Quasiment 20% de carburant, presque. Chauffe. Là, je vais compter le temps arrivé sur place après de la croix à peu près, combien de temps ça me... combien ça me bouffe de carbu. Deux jours. Ça va. Deux jours pour arriver sur place, deux jours et demi, trois jours. C'est pas le temps pour y aller. Ah. De te choper celui-là. Il fait comment dehors? Il est 5h du matin. Passer un truc comme ça. Avec les contacts d'avoir de choper de les choper exactement. Neuer Wegpunkt. Kurs 307. Neuer Wegpunkt. Kurs 20. Neuer Wegpunkt. Kurs 18. J'aimerais bien me trouver un peu plus qu'un seul convoi, qu'un seul marchand. C'est le problème. Ça n'abonde pas, je trouve. C'est...
1, 5, 4. Neuer Wegpunkt. Kurs 3, 3, 7. Neuer Wegpunkt. Kurs 13. J'espère pouvoir le choper sur la route, lui. Ou pas, c'est que je l'ai encore loupé. Je galère. Donc normalement je devrais pouvoir le récupérer si je vais un peu plus vite. Nœuds. Je suis même pas sûr de le choper. Je vais deux fois plus vite que lui, quoi. Ça marche pas, elles sont en carton, vos infos. Je me demande pourquoi on me demande de couler des bateaux entre cette zone et cette zone. Sincèrement, on peut pas dire qu'il y ait grand monde, quoi. C'est la tristesse. 54%. On est le 10 décembre. Oh, je sens bien Noël en mer, ça va être drôlement bien. Noël, nouvel an, tout le monde à la flotte.
Rien, rien, de rien. De rien, de rien, de rien, de rien du tout. Mais quelle tristesse, et là ça se casse. Je vais pas le courir après. Je vais me rapprocher de l'Angleterre. Neuer Wegpunkt. Kurs 2, 6, 5. Neuer Wegpunkt. Kurs 2, 3, 8. Neuer Wegpunkt. Kurs 2, 7, 1. Lui, on va le choper. Forcément dans le coin. Forcément dans le coin. Donc voilà mon deuxième. Ouh. C'est cool. Alors en extérieur. J'ai passé tout ce temps en extérieur. Allez, s'il vous plaît, montrez-moi ça. Il est où? Un Tiog, ça. Techniquement, il va. Il est à 6 km. Il va à 10 nœuds. Très bien. Parfait. Bon, tout le monde, poste de combat. Immersion périscopique. Et je vais monter au périscope d'attaque. Bon, allez, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Merci. Donne la main sur un... Merci. On va le mettre dans le bon endroit. Voilà, ça, déjà. Comme ça. Comment ça se fait que je le vois plus sur la carte? Tu te fous de moi? Je vais avancer en avant-lente, s'il vous plaît. On va attendre gentiment qu'il passe devant nous, bien de flanc.
se préparer un superbe tir à 44 nœuds. Ok, on va attendre qu'il passe sur mon 0, c'est-à-dire ici à peu près. Normalement, il devrait pas passer très loin d'après la carte. Je ne le vois plus. Je l'hydro, mais je ne le vois plus. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis en périscope d'attaque. Je vais peut-être ressortir le périscope d'observation parce qu'il a l'impression que je ne le vois pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais, il détermine que voilà, il fallait périscope d'observation plus le périscope d'attaque, ce qui est un peu débile entre nous. C'est pas là. On va gentiment accélérer le temps, attendre qu'il arrive devant nous. Moi, je suis à deux nœuds. J'arrête le moteur. On va faire comme tout à l'heure. On va faire un trait. Voir, il est là. Hein. Truc du genre comme ça. À peu près. Et moi, une sauvegarde auto, merci. Me prendre de moi et de faire comme ça. Il y a un kilomètre à peu près. On sera encore plus près de tout à l'heure. On peut même se permettre d'avancer en avant lente pour réduire cette distance. Elle va être en dessous le kilomètre. Très gentiment. Très gentiment. Alors, on va accélérer le temps jusqu'à ce qu'il arrive. Il est là, superbe, vitesse de 10 nœuds, distance 880 mètres en rapprochement. C'est exceptionnellement bon. On va lui mettre 2 torpilles. Une ici, en plein centre. Deuxième, plein centre aussi, très rapproché de la deuxième, de la première. Normalement, il n'aura pas le temps de dire ouf. Arrivé, 35 secondes. Cinq secondes. 4, 3, 2, 1. Impact 1, impact 2, maintenant. En plein dedans normalement. Et vous voyez qu'il n'a toujours pas coulé avec deux torpilles. Comme fou, deux torpilles sur un navire. Et au final, il n'a pas coulé. Surface, on va le terminer au canon. Je ne mettrai pas trois torpilles dans un navire. Deux torpilles, c'est bien. Je sais que j'ai 5 torpilles, 5 navires à couler, mais on va économiser là. Distance actuelle 800 mètres. Ouais, je m'en fous que tu mettes les loupiottes dans la tronche. Canon de pont. Allez les mecs.
Laufen auf beiden Dieselmaschinen. Allez, s'il vous plaît, Blug, j'en ai marre. Dieselmaschinen, stopp. Auf Batterie laden. On est sous l'eau là, on est sous l'eau. Auf Batterie laden betrieben. Kleine Fahrt voraus. Ruder 5, Grad Backbord. Non, tu vas me faire. Là, tu vas aller là où je regarde, s'il te plaît. Navigateur, navigateur. Neuer Kurs, 3, 4, 8 Grad. Allez. On tourne le navire. Satané canonnier. Ouais, j'en sais rien. Pourtant, je suis en surface. Oui, mais... Fahrt beträgt 2 Knoten. Non, ça c'est ma vitesse, c'est pas ma profondeur. Neue Tiefe 0. Je peux pas descendre plus bas, hein. Grad unten. Achterer Tiefenruder 2 Grad oben. Malheureusement, il peut pas descendre plus bas. Ruder 5 Grad Backbord. mètres. Alors, 1 km, 800 mètres. Normalement, non, attends, je suis trop là. Ça va aller, on va la voir gentiment. Un effort. Je tire pas parce que je suis sous l'eau. C'est les conditions de mer hein, qui sont comme ça. Hein. Ça m'aide pas avec le lampe dans la gueule. Oh, j'ai tiré trop. Est-ce que ça donnerait bien du warship comme ça, donc? Oh, j'arrive pas à le toucher. Pff, il est tellement près que je l'éclabousse et que je le touche. Je suis à l'arrêt. Alors j'aimerais bien que tu... Ah mais du coup... Kleine Fahrt voraus. Ruder 5, Grad Steuerbord. Ah ouais, j'avoue que c'est un peu mal foutu. C'est mal foutu. L'utilisation du canon est assez mal foutu. Boum. Marche arrière. Superbe. Et de deux. Donc, chaud, c'est vraiment chaud. D'ici une petite dixième de minute, je vais vous laisser la main pour Dimlin, qui est là normalement de 6h à 8h. Je reprendrai à 8h jusqu'à voilà, une soirée pleine de surprises. À gagner des coffres soviets, sans doute deux coffres soviets, et des camouflages de l'abonné à foison, comme d'habitude. Nous ferons une soirée bateau, c'est vous qui choisissez le programme. J'accepte tout tiers, toute nation, je n'ai plus les bateaux de test.
Ah, on va pouvoir effacer les petites cartes qu'on a faites là. Pouf, les petites gommes, machin, bidule de distance, truc bidule chouette. Salut, Poison. Voilà. 2-2. C'est très bien, 2. C'est parfait, merveilleux, génial. Marche avant, messieurs. On va faire un beau demi-tour comme ça. Nous allons reprendre notre route en direction de l'Angleterre. Un truc comme ça. Puis on va s'approcher un peu de l'Angleterre. Et puis on s'approchera des côtes anglaises encore après, s'il faut. Techniquement, bon, ils demandent entre les îles Féroé, mais regardez, ouais, c'est toujours là aussi, tu vois, donc cette zone-là. Hein. Une zone de patrouille brite. Ils ne me demandent pas de couler des navires de guerre, ils me demandent de couler des bateaux. 5 bateaux. Et là, en bas dans cette zone, de couler un porte-avions. Avant le 1er mars, bien sûr, tout va bien. Y a vol, air général. Tout va bien se passer. Et c'est reparti, mon zapi. Nous allons sauvegarder. Sauvegarder. Sauvegarder, nœud. Et je reprends. Ce qui est très bien, c'est qu'avec ce jeu, c'est que le temps, je trouve, le temps passe vite et c'est. Je vois pas le temps passer. Je me suis couché à 2h45 hier soir, tout va bien. Oui, il faudrait peut-être que j'aille au lit quand même parce que. Ouh là là, je m'ennuie pas en plus, c'est ça le truc. Après, là j'ai tiré moi-même au canon, j'aurais pu demander aux hommes d'être sur le canon de pompe pour qu'ils tirent automatiquement. Je trouve que les mecs tirent pas mal. Sur du multi-cible, ils tirent un peu n'importe qui, n'importe quoi, sans que je leur demande, c'est un peu le merdier. Batterie, on en est où? On est à 99%. On est en train de tourner, c'est pour ça qu'on va un petit peu moins vite. Très bien, parfait, parfait. On fait un tour rapide de roue. S'il n'y a rien d'autre dans le coin. Un petit rapport radio, s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous me fassiez un rapport de patrouille. Merci. Nous en sommes à deux navires. Deux navires. Merci. Ok. Poursuivons l'objectif et silence radio pendant 2 heures. Très bien. Oh, on le voit déjà même plus. Il a coulé comme une flèche, lui, par contre. Des fois, il y a des navires qui mettent vraiment beaucoup de temps à couler. Lui, il a. Ah, on le voit encore un petit peu. Il a vraiment coulé comme une flèche, hein. Qu'est-ce que c'était? Un grand vapeur de ravitaillement de 7000 tonnes.
un échec. Rencontrer tout, attaquer tout groupe de combat ennemi rencontrant la patrouille. De quoi il me parle? Elle est où la zone de... Tu m'as pas mis de zone d'attaque quoi donc... Allez, il est 55, je laisse la main à Dimlin qui normalement doit être là à 6h. À plus tard, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 8h, 8h, 8h15 pour la grande soirée de moi-même. Plus les gens, merci d'avoir suivi mes grandes aventures en patrouille. Et je vous dis à tout à l'heure.